Votre compte a été désactivé sur l'App Store et iTunes. Vous avez essayé plein de solutions sans succès? Pas de panique. Aujourd'hui, je vais vous montrer trois méthodes simples et super efficaces pour débloquer votre iPhone rapidement. Allez, on y va! La première astuce, c'est d'utiliser un logiciel super pratique, iMyPhone Lock Wiper. C'est le plus remarquable sur le marché. Il est vraiment génial pour déverrouiller les iPhones sans se prendre la tête et je vais vous montrer en seulement trois étapes comment retrouver un accès complet à votre appareil, facilement, immédiatement et en toute sécurité. Le lien pour le télécharger est dans la description. N'oubliez pas de checker ça. Voyons maintenant comment ça marche. Étape 1. Une fois que vous avez téléchargé et installé iMyPhone Lock Wiper, ouvrez-le. Voilà ce que vous devriez voir. Vous allez maintenant cliquer sur le bouton « Déverrouiller le compte Apple » et, si ce n'est pas déjà fait, brancher votre iPhone à votre ordinateur. Si votre iPhone n'est pas reconnu, vous pouvez cliquer ici pour vous aider à résoudre votre problème. Étape 2. Votre iPhone est désormais bien connecté et détecté par l'application. Un nouveau bouton s'affiche à votre écran, le bouton « Déverrouiller ». Vous allez donc cliquer sur ce dernier et lancer la procédure de déverrouillage de votre appareil. Pendant ce temps, ne débranchez pas votre iPhone et patientez. Étape 3. Quelques minutes plus tard, la procédure est terminée et le déverrouillage s'est effectué avec succès. Le compte iCloud enregistré sur votre appareil est complètement déconnecté et un message comme celui-ci devrait s'afficher sur votre écran. Vous pouvez maintenant configurer à nouveau votre appareil avec l'identifiant que vous souhaitez. La deuxième solution consiste à réinitialiser le mot de passe de votre identifiant Apple. Ce n'est pas compliqué, mais je vais vous montrer pas à pas comment y arriver. Sur votre iPhone, allez dans « Paramètres ». Cliquez sur votre nom en haut de l'écran et sélectionnez « Mot de passe et sécurité ». Cliquez ensuite sur « Modifier le mot de passe » et suivez les instructions pour vérifier votre identité. Une fois que c'est fait, vous allez entrer un nouveau mot de passe et le confirmer. Assurez-vous qu'il respecte les critères de sécurité d'Apple. Cliquez sur « Modifier » ou « Terminer » pour enregistrer les modifications. Vous pouvez désormais utiliser ce nouveau mot de passe pour déverrouiller votre iPhone. Vous voyez, c'est super simple. Voilà, normalement, vous avez maintenant débloqué votre compte Apple. Mais j'ai une solution de dernier recours si jamais vous n'avez pas réussi à y arriver et vous allez vous demander pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. La dernière solution est de contacter l'assistance Apple. Les conseillers d'Apple sont très pros et pourront vous aider à retrouver l'accès à votre iPhone en un rien de temps. Pour ce faire, vous allez vous rendre sur le site de l'assistance Apple. Arrivé sur cette page, vous allez taper « Compte désactivé » dans App Store et iTunes dans la barre de recherche et sélectionner la rubrique qui correspond à votre problème. Vous pourrez ici choisir la méthode qui vous convient pour communiquer directement avec l'équipe officielle. Comme vous pouvez le voir, les temps d'attente sont de 2 minutes ou moins, donc n'hésitez pas. J'espère vraiment que ces solutions vous ont aidé à débloquer votre iPhone. N'oubliez pas, vous pouvez télécharger le logiciel iMyPhone grâce au lien dans la description et vous y retrouverez aussi tous les liens dont j'ai parlé dans cette vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochains tutos. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.